Pensez qu'aujourd'hui, à 8 milliards d'individus sur la planète, en ayant créé un système qui dépend d'une ressource épuisable, on va pouvoir en sortir sans effort, sans heurts, etc. C'est évidemment une illusion. Il faut qu'on élabore. On pêche. Bah oui. Bah, tant qu'on ne sait pas, on pêche. Le fossile, c'est 80% de l'économie. Bah oui. Bah oui. Donc ça va toucher 80% de la valeur des choses. Bah oui. Bah, et même plus. Le téléphone. Plus la voiture. Plus le logement. Plus les jouets pour Noël. Plus la piscine. Plus l'abonnement à la clarinette pour la petite dernière. Tout. Bah tout, mais ça va tout transformer. C'est évident. Bah, il faut qu'on élabore. Si si. Bah, on pêche. Bah oui. Plus. Bah, si sèche. Bah pêche. Bah, pêche. Si si. Bah, on pêche. Bah oui, mais ça va tout transformer. C'est évident. Bah, il faut qu'on élabore. Si sort. Bah, on pêche. Bah oui. Plus. Bah, si sèche. Bah pêche. Bah, pêche. Si sort. Bah, on pêche. Bah or. Plus. Bah, si si. On pêche. Bah or. Bah, pêche. C'est pas on pêche. Bah or. Bah, notre promesse, c'est de ramener le maximum d'espoir qu'on peut, de ramener le maximum d'espoir dans cette transformation. Bah oui, ça va tout transformer, c'est évident. Évident. Et c'est de ramener le maximum de prise sur notre destin qu'on peut avoir dans un bateau qui va quand même être un peu secoué dans la tempête. Bah oui. Et donc le si on ne fait rien, en fait on s'expose de façon croissante à ce que le système se régule à nos dépens. C'est-à-dire via des surprises, c'est des modes qu'on n'aura pas choisis. Et en général, c'est toujours plus désagréable que les modes qu'on a choisis. Si je me permets de me prendre un parallèle un peu martial et militaire, évidemment on part en guerre, mais on part pas en guerre, on part dans l'action. Un peu différent. En action. Bah oui. En action. Ça va tout transformer, c'est évident. En action. Bah oui. On va pas regarder ce qu'on peut pas faire, on va regarder ce qu'on peut faire. On a une ambition au-delà de la survie. En action. Bah oui. On part en action. Bah oui, c'est peut-être de ça dont il faut qu'on parle. Bah oui. Si on est sérieux en guerre, bah oui. Il nous faut un plan. En action. Bah oui. Si on est sérieux sur la question climatique, bah, il nous faut un plan. On part en action. Et ce qui est très important, me semble, c'est d'essayer de faire des choses de manière collective. On part en action. Si je trouve que c'est nous deux qui sommes là ce soir, mais en fait, on est la partie émergée d'un très très gros iceberg. Alors, on part en action. Alors, de manière collective. Quoi, c'est ça l'idée. Donc on met les gens ensemble. L'association dont je fais partie, que je représente aujourd'hui. C'est ça l'idée, donc on met les gens ensemble, on part en action. C'est une association. Une petite association. Oui, c'est une association. On a confiance que dans un truc qu'on a contribué à élaborer. C'est une association. L'association du mouvement climat. Et à partir du moment où on démarre quelque chose qui peut marcher, à ce moment, l'action crée l'espoir. C'est une association, ONG, etc. En action. C'est une association. En action. C'est une association. Les ONG, etc. En action. C'est une association. Nous avons fondé notre famille et fondé notre laboratoire d'analyse des sols pour aider les agriculteurs. Engagez-vous pour vos convictions. Vous pouvez défendre. Il y a un monde au moins à refaçonner en grande entité, peut-être même à refonder en grande partie. Et c'est par vous que ça va passer. Donc, engagez-vous en politique, engagez-vous dans des ONG, engagez-vous dans des syndicats, etc. Il y a 10 000 formes de façon de s'engager à plein temps, professionnellement, bénévolement, etc. Donc, c'est une association d'ONG, etc. Les associations, les... C'est une association. En action. C'est une association d'ONG, etc. Les associations, les ONG, etc. En action.